Otimbi na timbelio. Marche au béni. Quand vous êtes en Tanzanie, Chikungunya, qui soit en Tanzanie, et tout va, marche au béni, tu marches aux autres. On appelle ça Chikungunya. Mais là, parce que les virus qui causent les Chikungunya là, causent des problèmes articulaires. Alors quand on a fait les examens, on a trouvé que les gens qui marchaient comme ça, avec un virus, c'est pour ça qu'ils ont appelé ce virus-là le virus des chikungunya. Mais c'est un virus de la famille des Alpha Viridae, c'est un virus de la famille des Toga Viridae. Il n'est pas dans la famille des Retroviridae, il n'est pas dans la famille des Retrovirus. C'est une autre famille. Mais on l'a retrouvé en première fois en 1950 en Tanzanie. On l'a retrouvé aussi en Inde. On l'a retrouvé aussi en France. On l'a retrouvé aussi en Italie. On a retrouvé ça aussi aux Amériques. Et on a trouvé ça aussi ici au Congo. En 2009, en 2012 et récemment ici, nous sommes en train de traiter. Quand vous venez, vous voyez beaucoup de malades qui sont chez moi là. Ils sont là pour les chikungunya. Question de Zanaïba, par rapport à traitement à Chikungunya, est-ce que ceux qui ont traité Chikungunya par rapport à avoir besoin de la Chikungunya, même en année, tu vas s'y manger et dire. Mais ceux qui ont appliqué, ceux qui ont appliqué le souci, l'homme a appliqué le souci, vous aurez le souci. Pas maintenant. Mais ceux qui ont appliqué le souci, vous aurez le souci. Mais ceux qui ont appliqué le souci, vous aurez le souci. Mais ceux qui ont appliqué le souci, mais il va qu'il y a pour l'appliquer le souci. Ça, c'est le plus mauvais problème. Donc c'est ça. Mais un vaccin est en train d'être mis au point pour que nous puissions nous protéger. D'ailleurs, on trouve sur les réunions. Papa. Merci. Question à les amis mauvais. Pour le micro de Sikungunya, nous sommes là par la septembre et à Sikungunya. Mais il y a un autre de vous qui m'a côté. Qui est là? Et alors, as-tu bien Kirna, papa, tu dis que je suis très sérieux. Si tu as déjà des problèmes préalables de la foi, on a allergie à la paracétamol déjà, on a mis la paracétamol, on a mis sa foi. Parce que foi, l'année paracétamol, on a mis analgésique, c'est-à-dire qu'on a mis un mais on a mis un effet à continuer la douleur. Mais si on a mis un effet à continuer la comme ça, il s'est dit que le docteur est à Ipsayo, mais là, mais si on a un problème à Paracetamol, ça on donne ça. Sauf que les libérés, mais l'homme, ils ont continué, ils ont continué. C'est comme ça qu'il n'y a pas de soucis pour ça, il y a un chikungunya. Donc ça, il y a quand même maladie pratiquement. Parce que maintenant, il y a un profond de chikungunya, il y a une maladie. Il faut donc traiter dans ce domaine maladie, il faut donc traiter dans la maladie. Son maladie, si tu peux se Paracetamol, la chimie, il va donc trouver la maladie, et c'est évité. Le vaccin va tous prendre le bras de la mouvelle et à Chibou. Il faut un docteur, il faut un docteur. Mais on va prendre la parole dans le NACO, il dit qu'on fait dans le NACO, on dit qu'on va dans le NACO, on va dans le NACO. C'est très important. Et si on continue, c'est mieux qu'on va dans le docteur. Et si on dit à l'hôtel, il y a bien, on va se finir sans maintenant. Mais on va appuyer le retard de la parastamol. Moi, la science à la journée, par rapport à la vie, il faut se demander est-ce qu'il y a la parastamol dans la vie. Il faut faire attention. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas il faut faire, il y a beaucoup de choses. Je suis docteur Christophe. Oh, docteur Christophe, merci. Merci beaucoup pour la enseignement Chikungunya. Maintenant, la zone va vous poser des questions. Les questions vous dites par vos patients. Maintenant, est-ce que Chikungunya est possible à la loi de madame Moussou et Yaka Pessi ou bien que vous avez vu la docteur à votre globalité Chikungunya est un des moustiques femelles. Alors, le bon à son compte. Bazar ma famille n'a pas beaucoup, bazar ma coco n'a pas beaucoup, bazar ma église n'a pas beaucoup. Alors est-ce que quand nous avons prévention, est-ce que vous constatez que vous avez un goût
Ainsi, donc, le docteur avait posé pour la prévention. Donc, il faut détruire les gîtes larvaires. Parmi les côtés, nous sommes arrivés au Canada. C'est-à-dire, à une place à main, parfois, nous allons jouer à Gauthier. Parfois, une place à Saïdé, parfois, nous allons jouer. Il faut détruire tous les gîtes, qu'on appelle les gîtes larvaires. Alors, les moustiques là, lui, on l'appelle pas chikungunya. Lui, on l'appelle Aedes. Ou bien tigre. Moustique tigre. Moustique tigre. Alors, hier, pour détruire la poteau, tu es le cimer, on l'a bien dit. Parce que, on va là que les armes n'ont pas de poteau. Mais, l'hygiène est acquis, donc il faut avoir l'hygiène aussi. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Le coup là, toujours le vaccin, on va protéger le vaccin. Parce qu'en gros, on dit que dans 10 ans aussi, ça se trouve dans le côté, il faut au moins 50 ans ou 30 ans. Et on va nous sortir jusqu'à 2030. Alors, et aussi là, si vous êtes parce que ça va être et comment on a tout le monde qui va au moins, on a pas de tout carré, avec un moumi, avec un sac. Mais oui! Donc, il faut limiter d'abord à bloc voilà, il faut donner les traitements. Bien sûr, on peut sortir du traitement bien au pitch, dans le pitch B là. Mais, pour la possible, ça va faire la prévention. Eric Moussa Gagna, les garçons RB, directeur I.